qui a comme un grand terme, un grand titre qui s'appelle Nomme-moi en Haïti. La donne, pour essayer de traiter la question haïtienne qui a vécu au Bahamas, que vous montrez nous non seulement des difficultés, alors pas parler des délicats, mais qui sont qu'à dire nous sur le travail ça et vous qu'à parler nous de cheminement de travail ça, comment on fait pour parler nous de processus de travail. Ok. Premièrement, merci pour m'inviter dans l'interview ça. Ma commencé à. Pendant que tu as grandi, je m'identifie avec l'héritage haïtien. Mais l'homme d'Al dans le collège, dans Syracuse University, je prends un cours sur la histoire de la Caraïbe. Okay. Et le premier livre que nous avons lu, c'était The Black Jacobins. Est-ce que vous connaissez les Jacobins Noirs? Les Jacobins Noirs de C.L.R. James. Yeah. Et le livre parlait de Toussaint Louverture et Révolution haïtienne. Et l'histoire, ça a été frappé fort. Parce que je me réalisais que j'avais un héritage comme ça. Okay. Donc après ça, après des bons cours, j'ai intéressé pour m'étudier plus de bagages sur l'histoire haïtienne, la culture haïtienne, la vie des haïtiens qui vivent dans la diaspora. Yeah. Donc, j'ai fait une maîtrise dans l'anthropologie avec un doctorat. Tout. Et après, j'ai fait ça. Pendant que j'ai fait le doctorat là, je devais étudier un sujet que je ne vraiment connais bien. Parce que moi, j'ai un héritage protestant dans la famille. Moi. Okay. So, ça veut dire grand-mère, moi. Maman. Il était son groupe prédicateur. Il était un évangéliste. Il était Alice Jean-Louis Fuji. Et tu es prêché tout partout. Ni Jérémy, ni Port-au-Prince, non, Gonaïve. Et dans la diaspora tout. Tu es prêché dans Miami, New York, dans Washington DC. Tout cap parler de l'évangile, prêcher l'évangile tout partout. Ok, tout ça t'incite au plus et pencher côté ça. Je m'intéresse dans ça. Je suis très intéressé dans ça. Et j'ai eu une chance pour faire recherche sur ça, sur le mouvement protestant dans Bahamas, parce que la majorité haïtien qui vivent Bahamas ont entre 30 000 haïtiens à 60 000 haïtiens dans Bahamas. Okay. Dans un pays qui gagne 50 000 monde. Donc, dans le travail, on est arrivé sur le terrain, qui sont remarqués par les remarques sur le terrain de travail en Bahamas. Oui, ok. Donc, bon. Je suis arrivé à Bahamas, je ne suis pas tellement remis à ici. Et, par exemple, vous passez blague, vous buy blague sur les haïtiens, vous maltraitez, vous exploitez, et, you know, façon, vous. Jean yo pas payé pour travail par exemple et Jean yo mode de traitement yo ba yo Jean yo passé de yo et un autre bagaille la majorité haïtien qui vivent Bahamas la majorité yo protestant yo pas dans yo pas well, m'pa konnen si yo pa nan voodoo, si yo nan voodoo, si yo pa nan voodoo, paske m'pa jam mwen sa nan pendant m'ap interview moun nan yo pa di yon bagay sa. Plus kon nan l'eglise nan l'eglise ou te yon tout? Exactement, okay. Exactement. So m'de al nan toal l'eglise, m'de mache nan toal l'eglise pou mwen ane, nan mache nan New Haitian Mission Baptist Church, deuxième nan te de Victory Chapel Church of the Nazarene,
Et troisième nom, c'était le International Tabernacle of Praise Ministries, Incorporated. Et ça me déroule dans toi l'église, yo. Je t'ai interviewé presque 30 ou bien 35 moun dans la communauté protestante haïtienne, Bahamas. Et j'ai interviewé 55 moun en total dans okay. Bahamas pendant Bahamas en 2005. Même te wè un pattern. Nous t'a parlé de moun avec l'homme t'a parlé avec yo. Yo t'a expliqué on différence yo te wè avec un protestant et un chrétien. Un protestant son moun non ka protesté un bagay. Son moun ki kon marche l'église, kon al l'église. Moun sa li poko nous ça li ka converti mais li toujours non mauvais a toujours fait mauvais bagaille li toujours non bolette li toujours fait jouer bolette li toujours bois bleu clairin ou bien prestige ou bien prestige et ou bien you know barbon court yeah. Ou bien un autre bagaille pas supposé faire il okay. Y a placé à vivre avec un autre monde, oui, you know, qui est et pas marié. Pas supposé faire ça. Pas supposé faire ça sous son chrétien. Yeah. Ouais. Et un chrétien, chrétien son monde qui gont crainte pour bon Dieu. Et créatif ça lui organiser gens yo un monde ça fonctionner dans la communauté et je vais fonctionner dans Bahamas. Mais dans l'église, ça, qui ont un rapport? Est-ce qu'il y a Bahamas dans l'église? Est-ce qu'il y a une nation dans l'église? Oui et non. Je dis oui parce que il y a des gens qui sont Haitian Bahamians. Petit Haïtien qui fête dans le Bahamas. Mais vous pouvez nous expliquer les difficultés pour la question de l'étude de fête, le processus là, comment lié pour. Ce sont des processus difficiles, oui. Vous connaissez, vous n'avez pas de citizenship. Qui est-ce que vous avez dit citizenship? Vous n'avez pas de passeport. Vous n'avez pas de passeport. Même acte de naissance, vous n'avez pas de passeport. Non, vous n'avez pas de passeport. Vous pouvez appliquer pour un passeport le vous avez 18 ans. Vous avez 18 ans ou 18 ans année. 18 ans et 18 ans même d'ailleurs. 18 ans, ok. Yeah. Et pour nous, nous avons grandi, nous avons levé dans les Bahamas. Nous allons à l'école, nous avons bien. Et nous maltraitons, nous avons en pile. Nous avons vraiment n'importe quoi, nous avons fait blague avec moi. Nous dit que nous sommes forts, nous dit que nous sommes avec rat. Nous dit que nous sommes noirs. Mais nous sommes noirs tout. Mais. Ah, il s'est supposé pinoir, passer bien bien. Non, mais comment vivre bagage ça, comment vivre? Moi, on connaît comment de vivre là. Comment vivre situation ça? Comment de ouais? Oui. Comment de ouais? Comment sentir? Comment sentir? On connaît pas tellement mais situation, mais yo t'es gagné un pile bien bien qui pas penser comme des haïtiens. Donc, yo t'es expliqué, you know, you did n'importe bagage de blé. Devant moi parce qu'il pensait que je suis bien même qui était Florida, m'a visité mon oncle moi aux Bahamas, un bagage comme ça, c'est ça c'est gens t'a pensé de moi parce que yo pas vraiment capable penser que tu as un monde là un professeur qui vient aux Bahamas pour faire une étude comme ça. Pour moi yo parce que you know d'arrêter pour un an. Je suis touriste, je fais touriste pour les Bahamas. Et je suis des Bahamas pour un an. Donc, mais je me dis une situation. Cette situation est vraiment difficile pour l'autre monde, pour l'autre Haïtien qui vit à Haïti, pour comprendre. L'autre vit à Haïti, vous pensez que l'autre pays qui. Pour qu'elle vive plus bien. Tant qu'aux Bahamas, tant qu'aux États-Unis. Et.
Dans un sens, c'est vrai, oui. Mais dans l'autre sens, ou pas. Chaque jour, yo humilié haïtien. Non? Ils sont une sorte de racisme. On? Alors, et pour nous finir, qui sont à souhaiter? Qui sont à souhaiter? Vous, qui message vous avez à haïtien qui l'a en Haïti? Qui message vous voulez pour vous? Faut nous supporter à haïtien qui a vivre l'autre bord. Vous avez besoin de support nous parce que. Il a passé dans la misère. Tout le monde pense que les Haïtiens qui vivent à Haïti, il a passé dans la misère. Mais nous connaissons quelques côtés dans Haïti, côté qui vivent dans mauvaises conditions. Mais vous avez ça dans les Bahamas, dans la communauté haïtienne Bahamas, vous avez ça dans la communauté haïtienne Dominicaine, République Dominicaine, dans Saint-Domingue. Vous avez ça aux États-Unis tout. Vous avez ça aux États-Unis tout. Donc, nous besoin support, nous tous besoin de supporter tout chaque monde. Pour qu'on ait sous drapeau haïtien, il dit l'union fait la force. Hein? Mais nous pas penser nous pouvons réaliser ça. Nous pouvons comprendre ça, nous pouvons réaliser tout. Il faut nous réaliser ça parce que nous besoin une besoin aider l'autre. Parce que imaginons en Haïti, côté ou pas ouais, côté blanc entre et yo fait n'importe bagarre yo vle dans Haïti. Ou pas gen haïtien qui vit qui aller aux États-Unis qui fait n'importe bagarre yo vle. Ou pas ouais NGO haïtien cap fait NGO aux États-Unis, OK? Haïti plein NGO. Et trop, OK? Non, c'est un gros il ouvre business ici. Comment? Eh bien, Nabzo, merci en pile, mais livre là. Et bien, livre là. Ça, c'est livre là. Est-ce que vous dites livre là pour sortir toujours? Non, non, il sortit. Il pourra le faire dans un paperback. Le 1er novembre. Et ma fait un effort pour traduire dans le créole et bien à quoi commencer tout. Et pour ajouter ici. Merci. Et ne pas me gâcher. Merci en plus. Et pas de quoi.